Alors, faut que j'aille dans les garages. Allons dans les garages. Ok. Dans les garages, il y a sûrement un ticket pour nous permettre d'aller dans le bidule. Dans les garages, les garages. Ouais, par ici, ok. Les garages sont là. En fait, j'y suis allé, mais j'ai pas fait attention. J'ai pas. Ah ouais, d'accord, j'étais pas allé dans ce garage-là. Bah si, j'y suis allé. Je sais plus. En tout cas, il y a rien dans ce garage. Ah bah voilà, il est là. Est-ce que ça va activer quelque chose? Est-ce qu'il y a Roxane, Roxy qui va vouloir attaquer Grégory? C'est un garage très festif. Festif. Voilà. Bon, allez, je sais où ça se trouve. Bon, je peux pas passer par ici. C'est mort. Tout ça c'est bloqué, c'est mort, donc il faut que je remonte par là. Il y avait d'autres trucs. D'autres trucs intéressants, des. En tout cas, ça sent les différentes déclinaisons de FNAF, hein. Je serais pas étonné qu'on ait un petit peu plus tard un FNAF, un Freddy Kart, un Freddy, oui c'est ça, Freddy Kart. Bon, ça serait triste, hein, mais bon. Bah en fait, on va dire ouais. Mario, il n'y a pas eu de jeu d'horreur Mario, mais en fait si, Luigi's Mansion, c'est un jeu d'horreur, c'est un survival horror. Hein. Pas aussi flippant entre guillemets que Freddy, évidemment, pas aussi, on va dire, dangereux, un peu, où tu sais que tu peux mourir, là tu mourras pas. Non. Mais ça reste, ça a les mécaniques, Luigi's Mansion, je l'ai déjà dit, ça a les mécaniques totales d'un survival horror, ça a les mécaniques d'un survival horror. Donc c'est un survival horror, sauf que ça fait pas peur, simplement. Mais c'est un survival horror. Enfin, je vois pas comment. Je vois pas dans quelle catégorie on peut le mettre. Luigi's Mansion. Dans quelle catégorie on peut mettre Luigi's Mansion? À part en tant que survival horror. Il y a des fantômes, il y a des putains. Il y a des putains, non, il n'y a pas de putains, hélas. Ah merde. Mais t'es vraiment une connasse, toi. Heureusement que j'ai le truc, hein. Elle est là, elle traîne ici, heureusement que j'ai le flash. Parce que là. Voilà quoi. Et ouais. On a le survival horror de Nintendo, c'est Luigi's Mansion. Et il est. C'est le meilleur jeu de la Switch. Luigi's Mansion 3, c'est le meilleur jeu de la Switch. Le meilleur jeu de la GameCube. Enfin, non, le meilleur jeu Nintendo de la Switch, attention. C'est pas le meilleur jeu de la Switch, mais c'est le meilleur jeu. Enfin, si, c'est. Bon. Attends, qu'est-ce qui est sorti sur Switch qui était bien, à part Luigi's Mansion? Je ne sais pas. Je vois pas. À part Luigi's Mansion. Je vois pas quel jeu est mieux que Luigi's Mansion, en fait. Sur Switch, en tout cas, je vois pas.
Où est-ce que j'ai atterri, moi? Putain, où est-ce que je suis, là? Par contre, il y a une tonne de... Il y a un paquet de robots. Et Freddy, il est pas bien chargé, quoi. Donc, j'ai envie d'aller voir ce que ça donne. Freddy, il est pas bien chargé. Ouais, il est pas bien chargé du tout, quoi. Donc c'est compliqué, mais il y a une tonne de robots, quoi. Il y a un paquet de robots. Oh putain, il y a une tonne de robots. Il y a beaucoup trop de robots là, c'est chaud là. Là, je me suis foutu dans un nid de guêpes, il y a trop de robots. Freddy, il est KO là. Ah ouais, ils sont trois. Oh putain! Putain, l'enfoiré, il se rapproche de trop là. Et merde, j'aurais peut-être pas dû venir tout de suite. Il va falloir que je me barre. En plus, j'ai rien à foutre ici. Vas-y, laisse tomber, je me casse d'ici. Il y a trop de robots, trop risqué. Faut au moins que je puisse... Attends. C'est quoi ça? Putain, les batteries sont trop faibles. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah d'accord, ici c'est... D'accord. Ok. Bon bah c'est tout. Hein. Je reviendrai un peu plus tard, quand j'aurai rechargé Freddy à bloc et quand j'aurai sauvegardé. C'est quoi ce bordel? Où est-ce que je suis là? Oh mon Dieu! Oh! Est-ce que je peux sortir d'ici? Non, 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 c'est pas par ici. Ici, je retourne au... Moi, j'aimerais aller... J'aimerais sortir. Ah bah c'est bon, c'est parfait, bah voilà. Nickel, enfin j'ai trouvé la sortie. Et je vais pouvoir recharger Freddy. Bien gentil, mais je sais pas où est-ce que je dois le recharger déjà. Il y en a un juste à côté. Mais est-ce que je suis au bon étage aussi?
Je suis pas au bon étage, hein, ça se trouve. C'est énervant. C'est agaçant! C'est encore plus haut. Il est où le... Est-ce que c'est agaçant? Il est où? Ah oui, j'ai très faim, j'ai très faim. Merci madame. J'ai super faim. Ça tombe bien. Alors, est-ce que je peux recharger Freddy? Je ne sais pas. J'espère qu'il y a une sauvegarde. Les statues en or toutes noires, c'est de l'or noir. Alors. Ok. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Ok, bon. Alors, visitons un peu cet endroit, rempli de staff bots de merde. Commence à me casser les couilles. Est-ce qu'il y a moyen de recharger Freddy là? Putain, j'aimerais bien le recharger. J'en ai ras le cul de ces staff bots à la con là. Ah! Ah putain. Oh! Regarde-moi ça. Ah, il est en train de dormir là. Ça risque d'être dangereux avec lui. Hein. Ok. Faut activer ce truc. Peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Bon, j'ai sauvegardé, mais bon. Il y a quand même beaucoup de staff. Ça risque d'être assez hardcore avec lui. Ah, il sort de là, c'est ça? Tu vas te barrer, oui? On peut rentrer là-dedans? Bon, allez, hop. Wow. C'est très rose.
C'est très vert là aussi. Bon, il n'y avait rien à foutre ici. Génial. Il n'y a rien à foutre ici. Allez, ouvre cette putain de porte. Il est où ce con? Il est où ce con? Et merde. Ça rigole pas. Hein. Bon, évidemment. Ah, attends, c'est. Tant que c'est pas dans une boîte de. Rien dans les urinoirs. Bon, ça, c'est. C'est évidemment les toilettes des hommes. On peut pas activer ce truc-là. Les toilettes des hommes. Des hommes avec un pénis. Si tu veux aller dans les toilettes des femmes, il te faudra un vagin, n'est-ce pas? Donc va falloir que tu choisisses, parce que tu commences à nous casser les couilles. Ok? Va falloir que tu choisisses, mon ami. Tu commences à casser les couilles à tout le monde, n'est-ce pas? Il faut choisir. Homme, femme. Homme ou femme. Si tu es une femme, il faut plus de pénis. T'as compris? Par contre, avec ou sans pénis, t'auras jamais tes règles. Hein. T'auras jamais de règles. C'est la vie, c'est comme ça. Comme tu n'auras jamais d'enfant. En tout cas, pas avec du sperme. Ça n'a aucun sens. Va te faire enculer! Va te faire refoutre! Va te foutre. Oh là là, là là! Bon, tu veux chanter avec moi? Tadam! 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 Eh merde! Merde, c'est pas vrai ça. Il y a trop de robots. Il y a trop de robots. Et merde, c'est bloqué. C'est bloqué ici. Eh, recharge-toi, mec. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te recharges? Merci, s'il te plaît. Respecte-moi, s'il te plaît. Mais cache-toi! Bon, elle ne peut rien me faire. Elle ne peut rien faire à Gregory. Je sais même pas où il est. Ah, il est là, c'est bon. Et oui, il y a force à force à force. Forcément que j'allais. Oula. Ça fait chier, j'ai envie de visiter le truc tranquillou et je peux pas parce que. Il n'y a même pas un truc pour recharger Freddy. J'aurais dû recharger Freddy en premier et ensuite rentrer dans le truc. Ensuite rentrer dans cet endroit. Là, je l'ai réveillé l'autre. Elle était dans les cuisines. Non, je sais même pas où elle était d'ailleurs. Ça serait bien de s'en débarrasser. De la bousiller comme ça, il resterait plus que... Que machin. En plus, il y a moyen de la bousiller, mais il faut aller dans le bunny ball. Après, là on cherche à se débarrasser de Roxanne. Donc, bon. Chaque chose en son temps. Mais là, c'est horrible, quoi. Il y a trop de staffbots, quoi. Il y en a trop. J'aimerais visiter un petit peu, mais il y a beaucoup trop de staffbots.
bien. La poussette, elle est... Je crois que c'est ça, la poussette. Mais j'en suis pas sûr. Putain, il y a deux staff bots là. Tourne, tourne. Et dégage. Putain. Merde. Ah si, c'est bon, c'est bon, j'avoue. Merde. Je sais même pas s'il y a des staff bots là. Heureusement que la caméra est placée assez convenablement. Ah bah cool, il n'y a pas de caméra alors. Génial. Le bonheur. Il n'y a aucune caméra, donc je sais même pas où est Grégory. Excellent. C'est le bon... Ah, c'est peut-être là, il est peut-être là, je sais pas. Non. Non, je vois pas. Je sais pas où il est. Super. Et je sais même pas où je dois aller. Ok, super, je sais pas quoi faire. Et encore, évidemment, encore et toujours des staff bots. Pour pas changer, je sais pas combien il y en a là. J'en vois un seul pour l'instant, mais. Grégory est un fantôme. Il n'a pas de corps. Ok, il ne voit pas son propre corps. À tous les coups je vais sortir, il y aura un staff qui va me casser les couilles. Je vais encore vérifier un petit moment. Ouais, il y en a deux. Il y a lui là. Et il y a un qui vient par ici. Voilà, il y a lui là. Putain, il est où ce con? Il arrive? Est-ce que je suis pas en train de revenir en arrière là? Je suis en train de tourner en rond là. Je tourne en rond. Ouais, ok, d'accord. Mais... Et merde. Ouais, je tourne en rond. Ok, d'accord. Y'a rien ici. C'est de la merde. Ah putain. Et merde. Staff open. Where are you? Bon. Y a pas une interaction avec ça? Non. Il a dit d'aller où déjà? Apporter la tête au bureau de la... Ah, d'accord, faut aller au bureau de la sécurité, d'accord. D'accord, au bureau de la sécurité. Ouais, classique, quoi. Le bureau de la sécurité... Où ça se trouve ça? Où ça se trouve le bureau de la sécurité? Là, c'est par où je suis arrivé. Ok. Est-ce que ça sert à quelque chose de sauvegarder? Ça sert à rien, on s'en fout, j'ai déjà sauvegardé. J'ai pas récupéré d'objets en plus.
J'ai pas récupéré de cadeaux, quoi. Non, je crois pas que j'ai récupéré des cadeaux, quoi que ce soit. Non, mais y a rien ici. C'est juste pour faire genre, quoi. Il est où le bureau de cette putain de bureau de sécurité de merde? Mais si c'est fermé. Ah bah tiens, un cadeau. Là par contre, il va falloir que j'aille sauvegarder. Bon. Je suis déjà à l'étage, mais faut sûrement que j'y retourne. Ok. Forcément. Forcément à l'étage. Je crois, je sais pas. Est-ce que ça peut être d'autre? Il y a des staffbots ici? Ah, j'entends un bruit de... de Chica. Ah, c'est quoi cet endroit là? Et merde, et merde. Oh non! Oh non! Ah mais j'y suis déjà allé ici. J'y suis déjà allé, putain. Salut! Merde, j'y suis déjà allé. Je pensais que c'était un truc que j'avais jamais vu, mais oui, j'ai déjà vu ça. Y'a rien ici. Enculé de ta race. C'est bon, j'ai trouvé. The West Arcade was not shut down properly. Some data may be corrupted. Initializing startup sequence. Before proceeding, reset the audio manager circuit breaker, located next to the dance floor. Gregory, the security system knows you are here and has locked you out. Reset the breakers and restore power to the West Arcade. Then you can repair the staff bot head. Non, je peux pas sauvegarder. C'est quoi ce bruit? C'est ici? Bah non, c'est... Attends, quoi?
C'est quoi ce truc? C'est quoi cette salle de sécurité de... De ouf. Quoi? Your air. Insécure, sécurité. Safe. Enfin... Bon, bref. Alors, ok, il y a le sac, mais je suis pas censé récupérer un badge ici, ça ferait le un espèce de badge ou un je sais pas quoi. Bon, obligé ici, il y aura Vanny. C'est pas possible autrement. Ça fait des années qu'on l'a pas vu, Vanny Vanessa, je sais pas, un truc comme ça. Bon ben, on peut juste interagir avec le sac pour l'instant. Interagir avec rien d'autre. Si je sors, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est qui fait ce bruit là? C'est quoi cet endroit? Ah! C'est ici qu'il y aura le... Le machin là, le DJ, je sais pas quoi là, le DJ man, je sais pas quoi là. C'est cet endroit qui sera le DJ man. Je sais pas si on peut activer le truc tout de suite. Parce qu'en fait j'ai appuyé sur rien du tout en fait. Ouais, il va sortir de là. Ouais, je sais pas. En plus, vu que je peux pas sauvegarder. Les robots sont toujours là. Bon. De ce côté-là, rien n'a changé. C'est quoi ça? On dirait que quelqu'un est en train de chialer. On dirait que c'est ici que tu peux récupérer la tête. What the fuck? C'est quoi cette salle de torture? C'est quoi cette salle de torture porn? Bon, je vais récupérer ce qu'il y a dans le sac. On verra bien. Hôte de soirée ultime. Félicitations pour votre installation du nouveau DJMM amélioré. La fonctionnalité DJMM vous offre des années de plaisir musical grâce à une technologie brevetée appelée Impro, libre de droit. Il n'y a pas deux chansons identiques. Économisez une fortune et nettoyage à l'aide d'une série de tubes connectés. Le DJMM peut exécuter des routines de nettoyage entre les sept listes. Si le besoin s'en fait sentir, activez le nouveau mode vibreur. Attention, le mode vibreur est encore en cours de développement. L'utilisation du mode vibreur annulera votre garantie. Ok. Redémarrer la salle d'arcade ouest, cabine DJ. D'accord. C'est dommage que je puisse pas sauvegarder quoi. C'est bien fait exprès évidemment, ça va de soi. Je peux pas passer par là.
quelqu'un qui tousse. Il y a quelqu'un qui tousse, bordel de merde. Il y a quelqu'un qui tousse. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu n'as pas le droit de tousser, ce n'est pas normal. Arrête de tousser. Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu tousses? Hein? C'est quoi ça? Hein? Ok, bon bref. Ouais, non, ça c'est Chica qui dit toujours une connerie. Rien de choquant là-dedans. Cours. Ok, d'accord. Comment ça se fait qu'ils ont toutes sortes de dessinateurs qui font plutôt du bon boulot et qu'on se retrouve à la fin avec des dessins dégueulasses? C'est quoi ce délire? Peut-être qu'ils ont fait au dernier moment, je sais pas. Peut-être qu'il faut aller payer les dessinateurs et ils disent ah non, 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 on va pas les payer, c'est trop chiant. Bon, je sais pas très bien dessiner, mais je vais le faire moi-même. Bon, le mec est là, hein. Il arrive, c'est comme dans la cinématique. Il va sortir. Il va sortir de là et il va nous défoncer le cul. Il va nous défoncer le cucu. C'est ça là? En plus, le mec il est mastoc, donc je te raconte pas le bordel quoi. Faut activer ces trucs là, c'est ça? Non, toujours rien. Bon. On peut jouer à ça? Non, on peut pas. Bon, comment il fait pour arriver? Parce que forcément, faut appuyer sur un bouton. Peut-être qu'il faut revenir. Mais je vais devoir récupérer. Je dois récupérer le sac une deuxième fois parce que je sais très bien que je vais me faire choper par le DJ. Allez, c'est parti, on verra bien. Rapport d'entretien PQ2. J'ignore pourquoi, mais Princess Quest 2 ne démarre pas correctement. La borne s'éteint chaque fois que j'essaie d'y jouer. C'est à croire que c'est personnel. Bref, aucune importance de toute façon, je n'ai toujours pas trouvé PQ2. Voilà. Bon. Princess Quest 2. Attends, Princess Quest... Oui, ouais, d'accord, bon, Princess Quest 2. Elle est là. Mais il a toujours pas trouvé Princess Quest... Ouais. Alors, je sais pas comment ça s'enclenche, mais je crois qu'il suffit que je recule... Et là, il y a le bidule qui va se pointer là. Je vois pas parce que là, j'ai à part récupérer des sacs, j'ai rien fait de spécial. Hein. J'ai rien fait de spécial. J'ai juste récupéré des putains de sacs, mais j'ai pas activé quoi que ce soit. Oh. Bah. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que c'est pas les sacs qui activent... C'est quoi ça? Non, on s'en fout.
Attends, qu'est-ce qu'il doit faire, là, la mission? Redémarrer la salle d'arcade ouest. Redémarrer la salle d'arcade... La salle d'arcade ouest... oui. Je sais pas. La salle d'arcade ouest... Comment pour la redémarrer, moi? Comment pour redémarrer cette putain de salle d'arcade ouest? Y a pas un truc. Non? C'est pas ça? Non? Putain, c'est chaud. Pourquoi j'ai pas de badge? Ça me vénère, ça. C'est pas... Oh, il est déchaîné, lui. La salle d'arcade ouest. Bordel. Est-ce qu'il faut que je ressorte? Genre de torture. La salle d'arcade ouest. Arcade ouest. Il faut sûrement que je sorte d'ici. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a moyen de sauvegarder? C'est pas de la même couleur là, non? Ça a changé de couleur. Hein. Ok, c'est bon. Merde.
Attends, mais je suis pas revenu où j'étais ou quoi? J'ai l'impression d'être revenu où j'étais parti. J'espère que non. Ok. Un escalier ou pas? Et merde. Casse-toi, casse-toi, s'il te plaît, casse-toi. Ah putain, mais c'est pas vrai ça! Ah ben voilà. Great job. Safety protocols deactivated. Prams at front DJ protocols. Reticulating blinds. Please reset circuit breakers to all zones. Three zones remain. Janitorial service. Arcade. Arcade. Il a disparu le gros là. Il s'est réveillé super vite quoi. Putain, c'est tellement... Moi, c'est pas mon délire ce genre de truc. Hein. Attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Réinitialiser les trois disjoncteurs disséminés dans le patati. Ok. Et je parie qu'on peut pas sauvegarder. Enculé, va. Ah, je le savais. Putain, je sais plus où ils sont, ces disjoncteurs. Je me marre, mais je suis vénère là. Je sais pas où sont ces 10 putains de disjoncteurs. Le temps que je trouve les disjoncteurs. Putain, j'aurais dû. Attends, y'a pas moyen de. Ah, mais Freddy, on peut pas l'avoir avec nous. Ok, d'accord. Ça, ok, d'accord. Freddy, on peut même pas l'avoir avec nous de toute façon. Alors là, c'est chaud là. Là, je veux pas le cacher que c'est chaud. Je me fais choper. Je suis obligé de tout recommencer. Là, c'est casse-couille. Là, j'avoue, c'est casse-couille. Les disjoncteurs sont dissimulés. Je sais où... Enfin, je les ai vus, les disjoncteurs, mais... Enfin, merde, quoi. Je sais plus où ils sont, quoi. Le seul que je me dont je me souviens bien l'endroit, c'était celui-là. Bah, alors, les autres... Oh, je suis dégoûté, quoi. Entre la Chiquita qui traîne dans le parage, plus les staff bots là qui font chier. Je te raconte pas là. Je vais me faire choper à tous les coups. Je vais me faire choper. À tous les coups, je vais me faire choper. À tous les coups. Il y a encore un staff bot là. Il y en a un là-bas. À tous les coups. Je l'entends marcher l'autre. Ah, j'en vois un disjoncteur là-bas. Déjà. Allez. Merde. Two zones remain. Putain. Je vais regarder sur le... Ah putain, il y en a une là. Si j'y
j'y arrive pas, vas-y, je fais une pause, j'en ai marre, quoi. Ça fait monter la tension, ce genre de musique. Il est là. Il est bugué, mais il est là. C'est bien. Alors. Ouais. Il y en a un ici. Et Grégory, il est là. Donc le truc, il est... Je sais pas. Il est où, putain? Oh, putain, la pute, elle est là. Attends, y'a un truc qui cloche, il est où, putain? Je comprends pas. Attends. Ah, c'est peut-être. Il est peut-être à un étage plus haut. C'est ça? Je sais pas. Faut peut-être monter. Parce qu'il en reste encore 3. 2. Non, 3. 2 ou 3, je sais plus. 2, ouais, 2. Reste encore 2. Là, quand je vais sortir, je veux pas savoir où je dois aller, quoi. C'est ça qui m'énerve. Je sais qu'il est là, mais... Ouais, c'est ça. Ouais, Grégory, il est ici, là. D'accord. Donc, c'est plus haut. Ok, d'accord. C'est plus haut. Et donc, faut monter les escaliers. Les escaliers sont où ? Où sont les escaliers? Où sont ces putains d'escaliers? Je ne sais pas. Là, il y a des escaliers ici ou pas? Je suis tétanisaille. Je sais pas par où je dois passer. Où sont ces putains d'escaliers? Oh putain, et puis elle est juste à côté de l'interrupteur. Il y en a combien des staffs ici? Il y en a 1, 2. Ouais, il s'éloigne 3. 1. Où est-ce qu'il pourrait se cacher? Un autre endroit où il pourrait se cacher? À part celui où il est. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est quoi ce délire? Attends, me dis pas qu'il cherche Grégory aussi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, mais. Attends, le mec, il continue à chercher Grégory? Bon, il bouge pas, de toute façon. C'est trop bizarre. Il est tout cassé, il continue à chercher. Ah, quoique je dis ça, mais. Je dis ça, mais l'autre elle est cassée et elle continue à s'attaquer à Grégory, hein. Même si elle est bousillée. Hein. Donc finalement, je sais pas, c'est bizarre. Bon, en tout cas, le mec est là, mais il bouge pas par contre. Hein. Le mec il s'est TP ici, je sais pas pourquoi, mais il ne bouge pas. Par contre, j'aimerais savoir où est-ce que je pourrais me cacher. Bien gentil tout ça, mais où est-ce que je pourrais me cacher? Où est-ce que Grégory pourrait se cacher? Bon. Eh merde, je suis sûr que je vais le regretter. C'est bon. Ah, je vois plus rien.
Ouais, il est... Ah, les escaliers sont juste à côté. Ok. Alors dans les escaliers, normalement, je suis safe. Parce que les staff bots ne montent pas les escaliers. Donc là, au moins, je suis... Par contre, Chiquita, elle... Elle a des jambes. Et pas des roues. Oh, les enculés, il y en a une tonne. Il y en a une tonne. C'est quoi cette caméra qui est placée comme de la merde? Qui sert à rien? Son emplacement ne sert à rien? Ça sert à rien. On s'en fout, il est plus là. Je sais même pas où il est. Ah, peut-être là, non? Ou peut-être là? Non, il est pas là. D'accord, elle est là, Chiquita. Alors, j'en vois toujours, c'est toujours le même, hein, c'est celui-là, je crois. C'est ça? Attends. Non, attends, c'en est un autre. Attends, non, c'est le même. Sur un angle différent, je crois. Oui, c'est le même. Il a un angle différent. Mais il y a, c'est pas plus haut, il y a, c'est le seul, il y a pas d'autres escaliers plus haut. Ouais, c'est le maximum, faut aller tout en haut. Le problème, c'est que le deuxième, je sais pas où il est. Le premier, non, attends, le... Là, c'est le deuxième. Où est-ce qu'il est là? Tiens, si au moins je pouvais savoir où il est. Je veux dire, la caméra elle est là, mais. Attends. Le sol. La caméra elle m'aide pas du tout quoi. Ah, peut-être une caméra comme ça? Peut-être cette caméra là? Non, cette caméra elle m'aide pas non plus.